Il progetto dell'inventario biologico generalizzato parte nel 2007 su un'idea dei parchi Alpi Marittime e del Parco del Mercantour. Questi due parchi sono oltre 40 anni che collaborano, ma la conservazione è veramente la finalità principale a cui i due parchi si devono attenere e devono portare avanti azioni a favore della biodiversità. I nostri due parchi, Marittime e Mercantour, era moltissimi anni che lavoravano sulla fauna, ma in genere si prestava attenzione alla grande fauna. Abbiamo lavorato sul camoscio, sullo stambecco, su queste specie più evidenti. E per un periodo abbiamo un pochino sottovalutato quello che invece è la biodiversità generale. Moltissimo ci sarà ancora da fare. Il progetto ATBI dell'inventario biologico generalizzato, un progetto che non avrà mai fine, quindi continuerà questa ricerca, questo approfondimento. Et finalement, ça a inspiré d'autres espaces naturels protégés à en faire de même. Et cette espèce d'effort collectif, finalement, a pu vraiment voir le jour à travers le PITEM Biodivalp, donc un projet Interreg Alcantara. En termes vraiment d'ATBI, se déroulera entre 2019 et 2021 sur un ensemble de 7 espaces protégés, réunis entre la région Ligurie, la région Piémont, donc le parc national du Mercantour, mais également le parc naturel régional du Queyras, les Écrins, la Vanoise et le conservatoire d'espaces naturels Haute-Savoie Aster. Chacun s'est décidé de vraiment se lancer dans ce projet d'inventaire de la biodiversité méconnue sur un ou deux sites de leur territoire. Donc, l'intérêt de ce programme ATBI à l'échelle franco-italienne, c'est que justement on va pouvoir inventorier, aller assez loin dans les inventaires sur plein de sites, aussi bien des Alpes du Sud que des Alpes du Nord, des Alpes internes et des Alpes externes. Et on va pouvoir avoir une vision assez générale, assez large de toute la biodiversité des Alpes. Du sud essentiellement, on va dire de la Haute-Savoie au Grand Paradis en Italie, jusqu'au Mercantour et Alpi Marittime sur la partie sud. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que si on ne le fait que sur un seul site, on a une vision très partielle en fait. Là, le fait de couvrir toute la partie Alpes du Sud, ça va donner une vision assez précise.